Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les loisirs de Nanou. Donc je suis très contente de vous retrouver. Voilà, je suis rentrée de congé et du coup je vais enchaîner quelques chaînes, n'importe quoi, quelques vidéos. Donc ne vous inquiétez pas si on est dans la même position, si vous trouvez le même décor, le même temps pourri. Sur les prochaines vidéos, vous verrez parce que je vais enchaîner. Comme je vous avais montré la dernière fois, quand je suis rentrée, j'ai reçu énormément de colis pendant mes congés et je suis super contente puisque j'ai 3 partenariats. Et donc, je vais vous faire découvrir mon premier partenariat avec la société One Day Saving. Je vous mettrai leur lien, qui m'ont contacté. Je suis super contente. Voilà, je ne connaissais pas du tout ce site. Donc j'ai vu sur pas mal de chaînes qu'ils ont fait une campagne, je pense, de communication et ont contacté pas mal de youtubeuses et du coup pour qu'on puisse bénéficier de quelques produits et vous les présenter. Donc ben voilà, premier partenariat, donc je suis super contente, qui me propose aussi un code de promotion pour mes abonnés, donc je vous le mettrai aussi dans mes liens, je vous mettrai les liens des produits que j'ai choisis. Et il faut que savoir, comme j'ai toujours dit, ma chaîne c'est le partage, donc à chaque fois que j'aurai un partenariat, je prendrai quelque chose pour mes abonnés et on fera des petits concours tout au long des mois qui vont venir. Voilà, alors je sais pas quel produit je mettrai en concours, mais voilà, donc voilà, pour moi c'est le partage. Donc dans les propositions qu'on m'a faites, je prendrai toujours quelque chose pour vous. Allez, c'est parti. Alors j'ai prédécoupé. Je suis désolée parce que j'ai reçu plus d'une vingtaine de colis et comme vous pouvez le voir, vous n'avez pas le nom du vendeur. Donc là, on est parti sur les produits One Day Saving. Alors j'ai eu, je ne sais plus quel montant ils m'ont proposé. Donc bon, après peu importe. Hein, principal, c'est qu'on ait plein de produits et puis qu'on partage. Donc ils m'ont demandé de choisir des produits. Et puis sur un de ces produits, ben, de faire un test avec vous en vidéo. Donc je ne sais pas lequel on en fera ensemble. Mais déjà, on va déjà regarder ce que j'ai pris. Alors c'est parti. Donc j'ai pris des nouveautés. J'ai pris des choses voilà, que je n'ai pas trop vues sur les chaînes. Et puis plus des choses que je n'ai pas faites aussi. Donc voilà. Alors, une toile, tiens, bizarre. Qu'est-ce qu'elle a bien pu prendre ? Notre Nathalie nationale. Eh ben non, c'est pas une gorgeuse. Waouh. Alors j'ai vu cette petite fée. Alors j'espère que vous voyez bien. Voilà, je vais vous la montrer là. Je l'ai vue sur plein de sites et je la trouve super jolie. Déjà d'une, il y a du vert et du violet qui sont mes prédominances couleurs favoris. Et je vais essayer de vous la montrer. Voilà, et je la trouvais super mignonne. Donc, on a. Donc, c'est un petit modèle, hein, 30 par 30, parce que je ne voulais pas des grandes toiles, parce que j'en ai plein. Et je voulais des petites toiles super rapides. Donc, déjà, ça colle top. Les dessins, les symboles sur la toile, il n'y a rien à dire. Hein, c'est super bien imprimé, super joli. Bon, bah, là, j'ai plus qu'à l'étaler, mais je pense que c'est la pliure, mais j'ai pas de lumière. Alors. Souvent sur ces sites, on a beaucoup de choix en rond et il y a aussi du choix en carré. Donc, on a le tout kit habituel, hein, le stylo, la petite spatule, la colle. Voilà. Et puis, on va regarder ensemble les couleurs. Wow. Alors, il y a du violet, prédominance violet. Essayez. Oh, je suis désolée, mais alors avec ce ton pourri, puis alors ma lumière, on va. Ça fait pas top. Je vais le mettre comme ça, peut-être. Ouais, ça sera mieux. Voilà, le violet, du vert. Du violet. Oh, aujourd'hui, je suis trop contente de cette petite toile. Donc, on a combien de couleurs? Alors, je vais pas regarder. On a 17 couleurs, donc ça va. Ça devrait être sympa. Je pense pas qu'il y a du AB. Je n'ai pas vu. Non, il n'y a pas de AB, mais bon. Un peu logique, c'est une petite toile, hein, donc. Voilà, je ne me rappelle plus du tout les tarifs, mais promis, je vous mettrai les liens pour que vous y alliez voir. Ils en ont plein, vous verrez, il y en a des toutes mimi, des petites fées, ça change des gorgeuses, je trouve.
et un peu montferrique. Et puis moi j'aime en plus la fée clochette, donc je trouve que cette petite fée ressemble à la fée clochette. Voilà, donc je vous ferai un retour de cette toile, et puis quand je l'aurai fait, là, je vous la montrerai. Alors ensuite, je crois que j'ai repris une autre toile de mémoire, parce que je m'étais dit au niveau des partenariats, on teste les toiles et on teste aussi les produits. Donc voilà, ah ouais, celle-là, je me rappelle, j'ai craqué. Déjà pour les couleurs, j'espère que les couleurs, elles sont super sympas. Et puis elle est trop mimi, et je crois que c'est un petit personnage de dessin animé, mais moi j'ai mes enfants qui sont grands, donc je sais plus trop. Et en plus, c'est une partielle, donc ça va aller super vite. Oh, regardez-moi ces couleurs, du rouge et du bleu turquoise. Donc voilà, après la feuille, elle est un petit peu pliée, mais là il n'y a pas de partie à coller. Donc il y a 11 couleurs, ça va aller vite. Hein. Regardez-moi comment elle est mimi. Je la trouve trop géniale. Je sais pas pourquoi, elle a une petite boue toute sympa. Donc c'est une toile 30 par 40. Donc c'est une partielle. Je voulais une partielle parce que j'en ai pas beaucoup. Et je voulais tester. Et puis je voulais faire un petit truc rapide. Quand tu te détends le soir. Voilà. Donc de temps en temps, alterner entre les toiles. Donc c'est une toile avec des diamants ronds. Parce que souvent les partielles, c'est des diamants ronds. Toujours le fameux petit toolkit. Voilà, ça va aller vite, hein, les diamants, il n'y en a pas beaucoup, donc je vais vous expédier ça, vous allez voir. Mais alors, elle est trop mini. Hein. Allez, hop, on déballe les diamants. Hop, c'est parti, mon kiki. Donc, des petits diamants hauts. Regardez, ce bleu, il n'est pas beau. Et puis, alors, là, il y a du rose. Sandrine, t'as vu, il y a plein de roses. Rose. Oh, elle est trop mimi. Voilà, j'espère que vous avez vu le petit modèle. Moi, je la trouve trop sympa. Franchement, je n'ai pas beaucoup vu sur les chaînes des filles qui avaient pris cette toile-là, comme la petite fée. Et du coup, bah, n'hésitez pas hein, à aller voir. En plus, c'est mon premier partenariat, alors on y va. Alors ça, ah ouais. J'ai vu des filles qu'on avait acheté et j'ai dit, tiens, faut que tu testes ça, Nat. Donc, on va tester ça. Je pense qu'on fera une vidéo ensemble sur ce petit objet-là. J'ai pris un petit porte-clés avec des petits nounours à diamanter. Je ne sais pas si vous voyez là. Ils sont trop mignons. Trop mignons. J'ai cassé une porte-clés et je me suis dit, allez, on les balle. Alors, je ne sais pas du tout comment c'est. Hein. Alors là, franchement, je ne sais pas comment on va faire, mais on va. Donc, on a un tout kit avec de la colle. Alors par contre c'est dommage, c'est qu'ils n'expliquent pas du tout comment on fait. Bon, je suis pas trop cruche, hein. Je pense qu'il faut mettre de la colle sur la partie à diamanter et puis en diamant. Donc voilà, j'ai deux petits nounours. Ça. Ça on fera ensemble, hein, parce que du coup c'est bien. S'il y en a qu'on déjà fait, bah, dites-moi comment démarrer. Ça je veux bien vos astuces. Et puis du coup, bah, on fera une petite vidéo ensemble. Ça permettra à tout le monde de voir comment on fait ces petits objets à diamanter. Alors, au niveau des couleurs, oh, bah, j'adore. Obligé. Donc, un joli vert. Et en plus, il y a de l'AB, quoi. C'est un vert AB. OK. Donc là, bah, on kiffe. Et puis, un petit bleu clair aussi AB. Donc, deux petits porte-clés. Donc, je pense que j'en ferai un. Et le deuxième, ben, ça sera sûrement un cadeau pour un prochain concours. Comme ça, je ne serai pas toute seule à avoir testé et je pense que ça peut faire plaisir. Alors, je ne me rappelle plus toujours du tarif, mais je vous mettrai les liens. Voilà. Et franchement, c'est pas très excessif et ça peut faire un petit cadeau super sympa. Et puis, voilà. Maintenant, il faut que j'y arrive. On va tester. Hein, et puis, je vous dirai ça. Donc ça, c'était des petites nouveautés qu'il y avait sur leur site. Hein. Et puis, alors, une autre nouveauté. Ouais, je sais, on est au mois d'août, hein. Mais bon, il faut quand même commencer à penser à Noël. Donc, j'en avais vu plein sur les chaînes, les filles. Et j'ai dit, bah, moi, je vais tester aussi la mienne, je serai moins bête. Donc, je ne suis pas très couronne, fleurs, oiseaux, machin. Je trouve que ça fait un peu vieillot, mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Donc, j'ai dit, bah, on va tester Noël. Alors, voilà, donc, on a une belle couronne à diamanter. Ça. Elle est trop mimi, je vais essayer de vous mettre le petit symbole, j'essaierai de vous incruster la photo de l'image. Oh, regardez, j'adore parce qu'en plus, bah, c'est dans les couleurs de Noël.
Et puis, donc c'est sympa. Alors, on a la partie à diamanter, bah, qui colle du tonnerre. Alors, on n'a rien par contre pour l'accrocher. Ah, c'est dommage. Alors, j'ai pas... Ah non, il n'y a rien pour l'accrocher. Ah bah c'est dommage. Bon, c'est pas grave. On trouvera quelque chose pour l'accrocher. C'est dommage pour une couronne qui n'ait pas mis la fixation. Donc, on dessaving, si vous passez par là, une petite fixation, ça serait sympa. Alors, ah, je pensais pas que c'était en strass. Ah, tout est en strass. Oh, j'ai hâte de voir le rendu final parce que je pensais que c'était plus hein, les couleurs qu'on voit sur la toile. Et non, non, c'est plein de strass. Voilà. Alors, c'est des strass ronds. Bah, ça va briller, hein, c'est Noël. Hein. Ah, on a des espèces de petites larmes rouges. Donc, je pense que... Ah oui, c'est pour faire les nœuds papillons et les petites pattes des paquets cadeaux, là, et les nœuds papillons des petits reines du Père Noël. On a aussi des petits sortes de petits clous. C'est trop beau, hein, c'est trop beau. Alors, par contre, on n'a pas de feuille de route, hein, donc faut surtout pas... Bah, je pense que quand tu fais ce genre de choses, tu dois faire sachet par sachet. Parce que sinon, t'es vite embêté. Il y a des petits diamants. Oh là 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 là. Vert Noël, bien sûr. Je ne vous montre même pas, moi. Oh, la mauvaise élève. Du vert, du doré, de l'argent, du rouge et encore du vert. Les couleurs de Noël. Hein. Donc voilà. Oh, je suis contente de... Moi, je suis juste un peu déçue parce qu'il manque un accroche pour la couronne, mais elle est jolie. Franchement, elle est belle, quoi. Pour Noël, à accrocher sur la porte, ça changera d'une couronne traditionnelle. Et je la trouve trop mignonne. Ou accrocher sur une porte à la maison, quoi. Donc, si vous avez des enfants, en plus, je pense que ça peut être un petit truc à faire ensemble, quoi. Moi, je le ferai toute seule. Donc, voilà. Mais parce que mes enfants ils sont grands, j'ai un petit-fils mais encore trop petit pour l'instant, donc voilà, il est trop beau. Et ben voilà, on a fait cet album signe ensemble de ce premier partenariat et qui j'espère ne sera pas le dernier parce que je suis rentrée de vacances hier et j'ai reçu un mail de leur part avec leur nouveauté. J'ai vu plein de choses, j'ai vu des masques d'Halloween, j'ai vu des couronnes d'Halloween, des épées sur le thème de l'automne. Et puis, je pense qu'ils vont se voir d'autres choses sur Noël. Donc, en plus, ils sont super rapides. Quand ils m'ont proposé le partenariat, je crois que le colis, j'étais en vacances. J'ai reçu un mail comme quoi c'était arrivé en espace de 7-8 jours. Donc, voilà. Donc, allez-y. Je vous mettrai le lien. Je vous mettrai la petite promo qu'ils m'ont donnée également pour mes abonnés. Je gagne rien, donc c'est juste pour que vous bénéficiez d'une promotion. Donc voilà. Après, sur One Day Saving, il y a souvent des promotions. Des fois, quand vous achetez 2 ou 3, vous en avez une gratuite. Vous avez aussi, quand vous commandez une certaine somme, des frais de port gratuits. Enfin bon. Voilà, communication au top, One Day Saving, merci. Et bah, je vais tester tout ça. Et puis, je ferai une petite vidéo d'un des produits. Et puis, je vous donnerai mon ressenti. Voilà, j'espère que ce petit unboxing vous a plu. En tout cas, moi, je suis trop contente de ce premier partenariat. Je trouve ça super sympa. En plus, merci en One Day Saving, c'est que je ne suis pas une grosse chaîne. On a dépassé les 100 abonnés, mais on est presque bientôt à 200 abonnés. Et proposer des partenariats aux petites chaînes, bah, c'est sympa, parce que les grosses chaînes, ils ont des partenariats à gogo. Et puis, bah, nous, on se dit, bah, tiens, faudra attendre qu'on ait plein d'abonnés pour pouvoir tester les produits. Et là, moi, tester les produits, bah, j'adore. Et puis faire partager, puis donner mon ressenti. Par contre, je le dis haut et fort, je suis quelqu'un d'assez honnête et franche de ce côté-là. Si c'est pas top, ben je le dirai. One Day Saving, je vous ferai un retour. Déjà, ça peut être sympa pour vous si c'est pas génial. Donc voilà, juste là, voyez, je vous dis, petit point négatif sur la couronne, il manque une petite accroche. Voilà, ben écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé les produits, ben... un petit pouce en l'air, pas de petit pouce en bas. Et puis, bienvenue à tous les nouveaux, parce que plus ça va, plus la chaîne grandit, donc c'est génial. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et allez voir sur le site, il y a plein de nouveautés là pour Halloween et Noël, c'est top. Gros bisous, ciao, ciao, prenez bien soin de vous.